Hop. Voilà. Voilà la vue, de ouf. Là-bas, on a l'Estérel, Théoule, Mandelieu. Bon, on verra un peu plus haut. Et moi, je vais là-haut, tout en haut du pic des Courmettes. La petite montée qui va bien, qui monte gentiment. Bon, après, en vélo électrique, peut-être. Bah, techniquement, c'est quand même chaud. Là, on arrive. Entre guillemets, là, on va commencer à monter. À monter. Là, c'est du faux plat montant. Part tout droit. Dans ce sens. Domaine de Courmettes et Courmes dans l'autre sens, et après on a le pic de Courmettes qui va tout droit pour aller là-haut, et moi c'est là-haut. Allez, c'est parti, on va monter par là. Hop. Et ça sera par là où on va redescendre. Oh, ça tapote. Hop. L'air, ça monte. On va couper par le champ. Et voilà. Et voilà. J'ai en profité pour faire un petit bike check de mon vélo. Je le ferai tout à l'heure. Voilà la bête. Et voilà. Je suis presque en haut. Bon, la partie au-dessus n'est pas vraiment utile parce que c'est du faux plat. Puis bon, le temps a l'air de changer, mais bon, voilà les gars, la vue, c'est magnifique. Voilà. C'est une petite 360. Hop. Voilà. Sans, en roulant avec énormément de marche. Allez, c'est parti. On va se dépêcher un peu parce que je commence à sentir des gouttes. Puis on va descendre tranquillou. Essayer de faire ça en sûreté parce que ça reste quand même bien engagé et bien dangereux. Allez, c'est parti, drop in. Ah, c'est ce que je disais, c'est des marches avec des pierres hyper coupantes. Et du coup, même pour faire des nosturnes, c'est une vraie galère. Pour essayer de pas casser mon vélo, il y a un rocher qui s'est décroché, qui était bien fat. Pour l'instant, ça descend. Nosturne. Hop. Partie dans la forêt qui est un peu plus cool. Ça glisse vraiment énormément. C'est pas super agréable. Surtout qu'il y a beaucoup de pierres. Mais ça reste quand même un peu technique.
ça. Hein. De toute façon. Hop. Western. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On a des rochers comme d'habitude. Ah. Hop. On se décourage pas. Allez. Oui, ça passe. C'est un petit Nostern ici. Putain de rocher. Hop. On va couper par là. Facile du tout. Ben, je crois que mon guidon il passe pas là-bas. Il me semble. Non, il passe pas. Là, c'est pareil, mon guidon est trop large. Hop. Allez, là c'est plein de racines. Elles sont pas grosses, mais ça suffit juste pour le faire chasser assez pour s'en prendre une. Passer. On peut plus, je crève, cette pierre de merde. Hop. Ah, mon pied. Et hop, voilà. Touc, toujours très important. Quand il y a des passages comme ça, de bien refermer les barrières, c'est hyper important. Bon, ben on est reparti, on descend jusqu'au véhicule. Là, cette partie-là, elle est plus cool. Même s'il y a énormément de cailloux, ça roule beaucoup mieux. Par là. Ah merde, c'est pas le bon chemin. Et voilà. Allez. Ah, ça grippe. Ah,
Ah, c'est trop bon. Bon ben, je vous invite à vous abonner et à regarder mes vidéos si vous kiffez. Et puis ça peut vous servir pour aller à ces endroits si vous habitez dans les Alpes-Maritimes ou autre d'ailleurs. Ben, n'oubliez pas d'activer la cloche et de t'abonner. Allez, à plus. Dropping.